Nous passons donc maintenant au produit de matrice, toujours dans le calcul matriciel. Donc, deuxième vidéo concernant le produit de matrice. Toujours des choses assez simples, sauf que le produit des matrices est un petit peu biscornu. Il faut faire attention. Donc, on vous donne deux matrices, A et B. Comme on a dit dans la première vidéo, toujours, quand on vous donne une matrice, toujours identifier son type, nombre de lignes, nombre de colonnes. Alors, A, même si ça n'est pas demandé, il faut toujours avoir le réflexe d'identifier la matrice donnée. La matrice A est une matrice, donc une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes. Une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Donc A est une matrice 4, 3. B est une matrice, une ligne, deux lignes, trois lignes, trois lignes, une colonne, deux colonnes. Donc trois lignes, deux colonnes, 3, 2. A est une matrice 4, 3. B est une matrice 3, 2. Gardons ça en tête. On vous demande de calculer A fois B. Calculer A fois B. Deuxième question, peut-on calculer B fois A? Peut-on calculer B fois A? Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Vous prenez une feuille de papier, vous mettez en pause, vous faites votre calcul et on voit la réponse. Bien. Alors, la condition pour que le produit de matrice soit possible, A fois B, pour que A fois B soit possible, il faudrait que le nombre de colonnes de la première matrice, je répète, le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. A contient trois colonnes. B contient trois lignes. Donc le produit est possible. A est une matrice 4, 3, 4 lignes, 3 colonnes. B est une matrice 3, 2. Donc le produit est possible. A fois B existe. On peut faire le produit A fois B. Et en plus, on connaît le résultat. Le résultat va être une matrice 4, 2. Cet élément commun va disparaître. Le 3 qui est en commun va disparaître. Donc 4, 3 avec 3, 2, le résultat va donner une matrice 4, 2. 4, 2. Donc, on sait, avant même de calculer, que AB est une matrice 4, 2. Donc, 4, 3 avec 3, 2, ça donne une matrice 4, 2. Alors, le produit de matrice se fait ligne par colonne. Ligne par colonne. Donc, première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. C'est ce qui va donner l'élément qui se trouve sur la première ligne, première colonne. Donc, première ligne, première colonne. Donc, moins 1 fois 1. Moins 1 fois 1. Plus 1 fois moins 1, 1 fois moins 1, plus 2 fois 3. Plus 2 fois 3. Ça, c'est le premier élément, première ligne, première colonne. Ensuite, on passe, première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Ça fait moins 1 fois 0, moins 1 fois 0, plus 1 fois 2, plus 1 fois 2, plus 2 fois 5. Plus 2 fois 5. Ensuite, on continue ainsi. Donc, deuxième ligne, première colonne, 0 fois 1, 3 fois plus 3 fois moins 1, plus 4 fois 3. Deuxième ligne, deuxième colonne, 0 fois 0, 3 fois 2, plus 4 fois 5, ainsi de suite. Bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ça. On va faire le calcul. Donc, on fait le calcul qui est assez simple ici. On trouve que A fois B est égal à 4, 12, 9, 26, moins 1, 9, 18. Donc, je vous laisse vérifier le calcul. Vous refaites ça. C'est assez simple. Donc, on voit bien que le produit A fois B est une matrice 1, 2, 3, 4 lignes, 2 colonnes. 4, 2. Comme on le savait déjà. 4, 2. Une matrice 4, 2. Alors, on vous dit, peut-on calculer B fois A? En fait, on voit que B est une matrice 3, 2. Donc, vous voyez que ça se termine par 2. Il y a deux colonnes. A est une matrice 4, 3. 4, 3. Donc le produit B fois A n'est pas possible. B fois A n'existe pas. Pour que B fois A existe, il faudrait que le nombre de colonnes de B soit égal au nombre de lignes de A. Donc on observe qu'on a ici pu calculer A fois B, A fois B, le produit A fois B existe, mais dans ce cas, dans cet exemple particulier, B fois A n'existe pas. B fois A n'existe pas. Donc ça, c'est juste
pour réviser un petit peu comment calculer le produit de deux matrices. Je passe directement à l'exercice suivant. On vous donne deux matrices, AB. On vous dit calculer A fois B. Deuxième question, peut-on calculer B fois A? On vous dit calculer A fois B, peut-on calculer B fois A? Donc, je vous laisse un petit peu mettre en pause. Vous prenez une feuille de papier, vous essayez de faire le calcul et de répondre aux questions. Et on passe à la réponse. Bien. Alors, toujours, quand on vous donne une matrice, toujours se poser la question, quel est le type de cette matrice? Toujours se poser la question. Alors, A est une matrice de lignes, trois colonnes. Donc, c'est une matrice de trois. Deux lignes et trois colonnes. Matrice de trois. B est une matrice, trois lignes et deux colonnes. Donc, 2, 3, et là, j'ai 3, 2. 2, 3, et là, j'ai 3, 2. Alors, on va voir si on peut calculer A fois B. Alors, 2, 3 avec 3, 2, c'est possible. Et le résultat va donner une matrice 2, 2. 2, 3 avec 3, 2, c'est possible. Et le produit se fait ligne par colonne. Donc, première ligne, première colonne. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 2, donc ça fait moins 1. Plus moins 2, ça fait moins 3. Plus le 0, donc moins 3. Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Ça fait 2. Moins 3, ça fait moins 1. Plus 0, ça fait moins 1. Deuxième ligne, première colonne. Ça fait moins 5. Plus 4. Ça fait moins 1. Plus 0, donc ça fait moins 1. Deuxième ligne, deuxième colonne. 5 fois 2, 10. 2 fois 3, 6. Donc 10 plus 6, ça fait 16. 16 plus 3, ça fait 19. Donc, A fois B, A une matrice de 3, B une matrice 3, 2, le résultat est une matrice de 2. Assez simple. On vous dit, peut-on calculer B fois A? On va voir. Alors, B est une matrice 3, 2, A est une matrice de 3. Alors là, oui, on peut calculer B fois A. On peut calculer B fois A. Et le résultat va donner une matrice qui est 3, 3, puisque 3, 2 avec 2, 3, le résultat est une matrice 3, 3. L'élément commun disparaît ici. Donc 3, 2, 2, 3. Il ne me reste que les extrêmes 3 et 3. Donc B fois A est possible et le résultat est une matrice 3 par 3. 3 lignes, 3 colonnes. Donc le produit se fait de façon classique. Première ligne, première colonne. Donc moins 1 plus 10, ça fait 9. Première ligne, deuxième colonne. Donc 1 plus 4, ça fait 5. Première ligne, troisième colonne, ça fait 0 plus 6, ainsi de suite. On fait le calcul. En fait, moralité de l'histoire, ce qu'il faut retenir de cet exercice, si vous vous souvenez, dans l'exercice précédent, on avait pu calculer A fois B, mais B fois A n'existait pas. Là, on a pu calculer A fois B, et on a pu calculer B fois A. Sauf que A fois B a donné une matrice de 2, B fois A a donné une matrice 3, 3. Donc, on est dans des mondes complètement différents. Il faut faire très attention. Je répète, dans le premier exercice, on nous a donné un exemple. On a pu calculer A fois B, mais on n'a pas pu calculer B fois A. Ça n'est pas possible. Deuxième exercice, on nous a donné à calculer A fois B et B fois A. Les deux sont possibles, sauf que A fois B a donné une matrice de 2, B fois A a donné une matrice 3 par 3. Il faut faire très attention, il faut être très vigilant dans le produit des matrices. Il faut être très vigilant. On passe à l'exercice suivant, exercice 3, toujours dans le produit des matrices. Là, on vous donne trois matrices A, B, C. A, B et C. On observe directement que A, B et C sont trois matrices carrées de 2. De lignes de colonnes, de lignes de colonnes, de lignes de colonnes. C'est assez simple à voir. Donc, A, B et C sont trois matrices carrées de 2. On vous demande de calculer A fois B, puis B fois A. Conclure. On vous demande de calculer A fois C et C fois A. Et conclure. Mais d'être stentige. Après calcul. Calculer A plus B. Ensuite, calculer A plus B au carré. Ensuite, calculer A au carré plus 2AB plus B au carré. Conclure. Que pouvez-vous conclure après votre calcul? Donc, je vous laisse mettre en pause. Vous faites le calcul. Ben, c'est un calcul assez simple. Ce qui va être intéressant, c'est les conclusions à faire. Donc, je vous laisse mettre en pause, prendre une feuille de papier et faire le calcul. Et on passe à la solution.
Alors, passons à la solution. On a ABC, 3 matrices, carré de 2. Alors, le produit est possible, A fois B est possible, B fois A est possible, et A fois B et B fois A donnent des matrices de 2. On le sait avant même de calculer. On le sait avant même de calculer. A fois B et B fois A sont possibles. A est une matrice de 2, B est une matrice de 2. Je peux calculer A fois B. Le résultat est une matrice de 2. B fois A, je peux le calculer, et le résultat est une matrice de 2. Donc ça, je le sais avant même de calculer. Alors, faisons le calcul. Faisons le calcul. A fois B, donc A fois B, voici A, voici B. Donc A fois B, je fais première ligne, première colonne, ça fait moins 1, plus 0, ça fait moins 1. Première ligne, deuxième colonne, ça fait moins 3, plus 12, ça fait 9. Deuxième ligne, première colonne, ça fait 3, plus 0, ça fait 3. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça fait 9, plus 24, ce qui fait 33. Donc là, j'ai fait le calcul A fois B. B fois A, j'inverse donc, je mets le B en premier et le A en second. Donc B fois A, première ligne, première colonne, ça fait moins 1, plus 9, ça fait 8. Première ligne, deuxième colonne, ça fait moins 2, moins 12, ce qui me fait moins 14. Deuxième ligne, première colonne, ça fait 6, moins 18. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça fait 6, plus 24, pardon, 0, 0 fois 2, ça fait 0, plus 24, ça fait 24. 6 fois 4, ça fait 24. Bien. Alors, on observe quelque chose, que A fois B existe, B fois A existe, A fois B est une matrice de 2, B fois A est une matrice de 2, mais malgré tout cela, A fois B est différent de B fois A. A fois B est différent de B fois A. En général, le produit des matrices n'est pas commutatif. Je précise, en général, le produit des matrices n'est pas commutatif. C'est-à-dire qu'en général, A fois B est généralement différent de B fois A. Il faut faire très attention. On dit que A et B ne commutent pas. Le produit n'est pas commutatif. Bien, voyons ce qu'on va donner avec A fois C. Donc la deuxième question, c'était calculer A fois C et C fois A. A fois C et C fois A. Alors, A, c'est ça, c'est ici. Donc, calculons A fois C et calculons C fois A. Alors, A fois C, donc 1, 2, moins 3, 4, fois 3, 0, 0, 3. Je calcule la première ligne, première colonne, donc je trouve que c'est 3 plus 0, ça fait 3. Première ligne, deuxième colonne, ça fait 0 plus 6, ça fait 6. Deuxième ligne, première colonne, ça fait moins 9, plus 0, ça fait moins 9. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça fait 0, plus 12, ça fait 12. Donc ça, c'est A fois C, c'est possible, 2, 2 avec 2, 2, c'est possible, le résultat est 2, 2. Je peux calculer A fois C, je peux calculer C fois A, tout est possible ici. Je calcule C fois A, donc première ligne, première colonne, ça fait 3, plus 0, ça fait 3. Première ligne, deuxième colonne, ça fait 6, plus 0, ça fait 6. Deuxième ligne, première colonne, ça fait 0, moins 9. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça fait 0, plus 12, donc ça fait 12. Bien, on observe quelque chose. C'est que A fois C est égal à C fois A. Il y a des cas particuliers où le produit est commutatif. Il y a des cas très particuliers. Alors, on ne dit pas que le produit est commutatif, on dit que les deux matrices, A et C, commutent. C'est-à-dire, je peux calculer A fois C, je peux calculer C fois A, et en plus, j'ai A fois C est égal à C fois A. Je résume, je reprends depuis le début. Il se peut que A fois B existe et B fois A n'existe pas. Il se peut que A fois B existe et B fois A existe, mais que A fois B donne une matrice d'un certain type et B fois A une matrice d'un autre type complètement différent. Il se peut que A fois B existe et B fois A existe et que tous les deux soient de même type, mais le résultat est différent. A fois B est différent de B fois A. Il se peut aussi que A fois C est égal à C fois A. Donc on peut avoir A fois B égal à B fois A, on peut avoir A fois B est égal à B fois A dans certains cas très particuliers. Très particuliers. Donc en général, le produit des matrices n'est pas commutatif. Attention, il faut faire très attention à ça. Bien. Je passe à la dernière question. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit calculer A plus B, A plus B au carré, A au carré plus 2, AB plus B au carré. On voit bien le piège qui vient. On voit bien qu'il y a un piège quelque part ici. On le voit bien. Donc, à calculer A plus B, ça, c'est facile. Ensuite, on va calculer A plus B au carré. On va calculer cette expression. On va voir ce que ça va donner. Bien.
Donc, ça c'est A, ça c'est B. Donc, calculons A plus B. A plus B, donc ceci plus ceci, matrice 2-2 plus matrice 2-2, c'est possible. Le résultat est une matrice de 2. Suffit de faire la somme, l'addition, élément par élément. Donc, 1 plus moins 1, ça donne 0. 2 plus moins 3, ça donne moins 1. Moins 3 plus 0, ça donne moins 3. 4 plus 6, ça donne 10. Alors, A plus B au carré. Alors, j'explique, les puissances n'existent que pour des matrices qui sont carrées. A plus B est une matrice carrée, donc A plus B au carré existe. A plus B à la puissance 3 existe. A plus B à la puissance 10 existe. Si A plus B n'était pas carré, il n'y aurait pas de puissance possible. Les puissances n'existent que pour des matrices carrées. Sinon, le produit ne serait pas possible. A plus B au carré, c'est en fait A plus B fois A plus B. A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B. Alors, A plus B, on l'a calculé ici. Voici A plus B. Donc, il suffit de calculer A plus B fois A plus B. Donc, je fais le produit de deux matrices, assez simple. 0 fois 0 plus 3. Ensuite, première ligne, deuxième colonne, 0 moins 10. Deuxième ligne, première colonne, 0 moins 30. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça fait 3. Plus 100, ça fait 103. Deuxième chose, on nous dit de calculer A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors, A au carré, c'est possible parce que A est une matrice carrée. Donc, je peux calculer A au carré, qui est A fois A. Donc, je calcule tant bien que mal A fois A. Donc, première ligne, première colonne, 1, 2 fois 1 moins 3. Donc, 1 fois 1, moins 6, ça fait moins 5. Première ligne, deuxième colonne, 2 plus 8, ça fait 10. Ainsi de suite. Donc, on calcule A au carré. Ça donne ceci, moins 5, 10, moins 15, 10. On calcule B au carré de la même façon, B au carré, qui est B fois B. B est une matrice carrée, donc B au carré existe. Donc, je fais le produit B au carré, première ligne, première colonne, ainsi de suite. Je trouve que c'est 1 moins 15, 0,36. A fois B, c'est ce qu'on a calculé dans la première question. Donc, on l'a déjà calculé. Donc, maintenant, il me suffit de calculer A au carré plus 2AB plus B au carré. AB, ça, on l'a déjà calculé dans la première question. Donc, A au carré, c'est ça. B au carré, c'est ça. A fois B, déjà calculé. Je calcule A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, A au carré. Moins 5, 10, moins 15, 10, plus 2 fois cette matrice-là, moins 1, 9, 3, 3, plus B au carré. Alors, A fois B, je rappelle, on l'a calculé juste ici. Ah si, A fois B. A fois B, on l'a calculé juste ici. Voilà, il est là le résultat. A fois B. Donc, je calcule A au carré plus 2AB plus B carré. Je fais le calcul, c'est assez simple à faire. Je trouve que c'est égal à moins 6, 13. Moins 912. Bien. Que peut-on conclure? Alors, A plus B au carré, A plus B au carré, ça a donné cette matrice-là. A plus B, le tout au carré, ça a donné cette matrice-là. A au carré plus 2AB plus B au carré, ça a donné cette matrice-là. On voit bien que les deux matrices sont différentes. On voit bien que les deux matrices sont complètement différentes. Donc, on a A plus B au carré est complètement différent de A au carré plus 2AB plus B au carré. Ah. En fait, l'identité remarquable qu'on connaît dans les réels ou bien dans les nombres complexes, on ne peut pas la reproduire lorsqu'il s'agit de matrices. Pourquoi ça? Donc A plus B au carré, on l'a vu avec l'exemple, ça n'est pas égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. En fait, pourquoi? Parce que A plus B au carré, c'est en fait A plus B fois A plus B. Je développe. A plus B fois A plus B, ça fait A fois A, donc A au carré. A fois B, donc AB, plus B fois A, B fois A, plus B fois B, qui est B au carré. Donc au final, j'obtiens A au carré, plus AB, plus BA, plus B au carré. Mais on a vu que A fois B et B fois A étaient différents. Donc je ne peux pas mettre ici 2AB. Je dois garder A plus B au carré, c'est égal à A au carré, plus AB. Plus BA plus B au carré. Pour avoir A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré, il est nécessaire que A et B commutent. Si on a dit AB est égal à BA, je ne peux pas dire l'identité remarquable. Donc cette identité remarquable n'est valable que si A et B, les deux matrices, commutent. Par exemple, on l'a vu, A et C commutent, donc A plus C au carré, c'est A au carré plus 2AC plus C au carré. Attention, attention, il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention lorsqu'on manipule le produit de matrice. Là, on a bien que AB et BA sont différents, on l'a vu
précédemment, on a vu que A et B ne commutent pas. AB est différent de BA. Donc AB plus BA, ça ne donne absolument pas de AB.